Bonjour les amis, c'est Suellen Crème de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le lundi 24 janvier 2022. J'espère que vous allez tous bien, vous avez la patate. Bon alors, moi je vous fais la vidéo, je suis encore un peu enrhumée comme vous pouvez le constater avec ma voix. C'est pas génial, mais on va faire avec. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas enrhumée, que vous avez pris soin de vous, que vous êtes couverts, hein, pas comme moi, pas sans écharpe. Tout simplement. Allez, on va aller regarder ce qui se passe pour la journée de demain. J'ai pris l'oracle de Shine. Je trouve juste magnifique. Je l'ai reçu il y a très peu de temps et je trouve vraiment très bon. J'avais envie de vous en faire profiter. Donc, on va aller tirer une petite carte pour avoir l'énergie principale de cette journée. Bien entendu, on ira voir aussi avec d'autres oracles un petit peu comment ça va se passer. On ira voir aussi du côté sentimental. Et bien sûr, on ira aussi aller explorer une réponse à votre question avec les réponses angéliques. Allez, on y va, c'est parti. L'oracle de Shine, quel est le message que nous devons recevoir? Allez, l'oracle de Shine, quel est le message que nous devons recevoir pour la journée de demain? Allons voir un petit peu le message que l'on doit avoir. Waouh, quelle superbe énergie, l'énergie de la chance. Alors ça, on kiffe, ça, on aime, ça, on signe. Demain, il y a des opportunités, il y a des nouveaux départs, il y a cette idée de magie aussi avec cette carte. Hein, si vous la regardez bien, je vais vous la mettre ici, comme ce sera plus facile. Il y a dans cette carte, ouais, l'idée d'un nouveau départ, puisqu'on a le chiffre 1. Il y a l'idée de lumière, de mettre en lumière, d'avoir l'opportunité de mettre en lumière quelque chose, le temps de vous reconnecter aussi à vous-même, d'accord? Parce qu'ici, ça fait un peu penser, je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait un peu comme une habitation, une maison. C'est la chance de se reconnecter peut-être aussi pour certains à soi-même. Il y a dans cette carte des possibilités, de l'infini. Il y a l'envie vraiment de libérer de l'énergie. Et j'ai l'impression que demain, on a l'opportunité et la chance de pouvoir le faire. Donc, on va aller voir dans quel contexte, comment. Mais ça semble plutôt intéressant. Allez, prenons l'oracle de Qumran et allons voir la question que nous devons nous poser sur la journée de demain. Quelle est la question que nous devons nous poser? J'ai l'impression, en tout cas, c'est une journée pleine d'opportunités pour libérer la magie, la lumière qui se trouve en nous, en fait. C'est ça, c'est l'idée d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité, d'une chance qui nous est donnée. Alors, par l'univers, par les fées, hein, par les élémentaux, par que sais-je. En tout cas, on a une opportunité à saisir demain. Quelle est la question que nous devons nous poser pour la journée de demain? Quel est ton désir? Il y a cette notion de désir et ce que l'on souhaite vraiment. Alors, c'est peut-être justement en allant chercher cette magie, cette force, cette lumière qu'il y a au fond de nous, hein, qu'on va connaître un petit peu ce que l'on veut réellement, son désir profond, ce désir qui est en nous, hein, plus précisément. Alors, attendez, j'ai un léger décalage et ça m'agace. Voilà. J'ai l'impression qu'on va aller chercher son potentiel. Qu'est-ce qu'on a envie vraiment? Qu'est-ce qu'on veut vraiment mettre en avant? Quelle chance on veut saisir? Quelle chance on veut aller attraper, d'accord? Et puis, quelle chance on veut voir aussi prendre racine en nous demain? Et surtout, quelle opportunité on va saisir au vol? Quelle lumière on veut faire briller, d'accord? Mais en tout cas, ça va vraiment être de se poser la question, quel est le désir que l'on veut mettre en avant? Par rapport à des nouveaux projets, par rapport à des nouvelles envies, par rapport à des opportunités. Qu'est-ce qu'on veut vraiment au fond de nous? Libérer cette lumière, libérer ce potentiel ou pas? Mais en tout cas, demain, on a l'occasion de le faire. Après, c'est à nous de savoir si effectivement on va aller le faire ou non. Mais en tout cas, c'est là, c'est là, c'est là. Ok. Allez, allons voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe sur la journée de demain. À la coupe, nous avons la femme, les opportunités, la santé. Alors peut-être que pour certaines femmes, il y a des petits soucis de santé, mais j'ai l'impression que ça se résout, hein. Il y avait peut-être une instabilité ces derniers temps, quelque chose qui couvait. Alors ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse pour certaines femmes. Ça peut être aussi un potentiel émotionnel qui se libère. Vous voyez, ça me fait penser ça. C'est l'opportunité aussi
d'exprimer, d'accord? Et la femme, elle est très vénusienne et il y a cette idée vraiment d'expression chez la femme. Et peut-être que demain, c'est ça, c'est l'opportunité d'exprimer ses désirs, ce qu'il y a au fond de nous, ce que l'enfant intérieur a envie de dire, quelque chose qui était assez instable et que demain, on va pouvoir enfin libérer. La carte de la santé, si vous regardez selon son contexte et son positionnement, elle va avoir des significations différentes. Cette carte, la petite fille, elle n'a pas l'air bien malade, elle est en train de jouer avec le médecin, en train de s'amuser. J'ai l'impression que on se sent plutôt mieux. Moi, j'ai l'impression de. Vous voyez, il y a encore cette idée de foyer ici, hein, comme là, la maison. On sent que c'est quelque chose d'intérieur. Il y a de la lumière, hein, au fond de nous. Après une période un petit peu compliquée, j'ai l'impression qu'on va s'autoriser à écouter. C'est marrant, quel est ton désir? Et là, la petite fille, elle est en train d'écouter. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que le médecin veut de moi? Il y a cette idée d'aller écouter demain ce que les guides, ce que les anges, que les élémentaux, enfin, peu importe, hein, que ce soit Dieu ou quelqu'un d'autre, a à vous raconter, a à vous dire, d'accord? On est vraiment dans ce contexte-là. Soyez à l'écoute de vos désirs, de vos envies, de votre enfant intérieur aussi, tout simplement, hein, ça peut être juste ça, tout bêtement. Allez, on y va, c'est parti. Y va. Demain. Demain, première énergie, c'est l'idée de la tranquillité. Donc, on sent qu'il y a ce repli. Alors, ce n'est pas un repli mauvais, mais c'est plutôt un repli dans le sens où on a cette tranquillité, cette paix d'esprit. On est plus serein. Voilà, on se protège peut-être des gens mauvais. On se protège des gens mauvais. Qu'est-ce qui sort la jalousie? Peut-être des mauvaises personnes. Et c'est ça, en fait. Quel est ton désir? Tu as l'opportunité de mettre un bouclier face aux attaques énergétiques des autres personnes demain. Ouais. La jalousie qui revient dans ton entourage. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va travailler sur le chiffre 6 aujourd'hui. Allez, 3, 4, 5. Et on va leur mettre une sixième, la projection. Ok. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Je te confirme, hein, c'est vraiment ce qui vient, tu vois. Il faut arriver à bouger les choses. Attends, je te mets les cartes comme il faut parce que sinon ça fait pas très très sympa et c'est pas très très joli. Voilà. C'est plus sympa pour toi d'avoir un joli tableau. Alors, moi, demain, clairement et concrètement, j'ai l'impression qu'il y a le retour, alors soit de mauvaises pensées ou de schémas limitants, mais là, tu as la chance de pouvoir t'en défaire. Et j'ai la sensation que tu y agis avec beaucoup de tranquillité, de sérénité. T'es plus centré, t'es plus équilibré, hein, on le voit ici, hein, il y a cet alignement qui est en toi et qui te permet de créer une espèce de bulle de protection, on le ressent, en tout cas moi je le ressens énormément, face à des ennemis, face à des gens jaloux, face à des mauvaises critiques, peut-être même face à tes propres pensées, ça peut être même limite face à tes propres pensées, ça peut vraiment être ça. En tout cas, même si ce retour se fait, c'est aussi l'idée que tu reviens à toi-même, d'accord? Ces mauvaises pensées, elles peuvent revenir, mais toi, tu redeviens la personne protégée et magique que tu étais. Tu vas pouvoir te défaire des projections. Les projections, c'est jamais quelque chose de super génial, en tout cas à mon sens, parce que la projection, c'est on regarde de l'autre côté du miroir ce que l'on aimerait qui arrive. Et là, on te dit qu'il y a une séparation. Moi, j'ai l'impression que tu arrives à te séparer des projections. Donc, en fait, tu arrives plus à être dans le moment présent que dans le futur. Tu n'es pas en train d'envisager ou de regarder ce qui va se passer ou d'être dans le passé, ni dans le retour, ni dans le futur. Tu te places en position magique et protectrice, d'accord? Tu te sépares de ces énergies de futur, tu te sépares de ces énergies de retour pour te canaliser et te centrer. Et regarde. Tu te sépares et derrière, on a encore cette carte de la santé qui revient, qui te permet d'avoir ici, avec la loi, de retrouver un équilibre. Et si on va un peu plus loin, tu vois, je pense que vraiment, c'est même pas extérieur, c'est vraiment propre à toi parce qu'on a la maison, les accusations. Pardon. J'ai la sensation ici, dans ce tirage, que à l'intérieur de toi, tu pouvais même avoir des mauvaises pensées vis-à-vis de toi. Tu sais, genre, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas. Tu avais peut-être un mauvais jugement de toi, ce qui te rendait peut-être un petit peu malade ou pas bien. Mais là, tu vas être plus à l'écoute de toi-même et tu vas te séparer de ces mauvaises pensées, de ces schémas limitants, de ce jugement
quelque part que tu pouvais, ce jugement, pardon, que tu pouvais avoir face à toi-même ou face à, aux autres, peut-être une certaine sévérité. Demain, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que je veux vraiment pour avancer, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de voir évoluer dans ma vie, comment je veux y aller. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Donc, faut vraiment pas vous laisser malmener par des idées qui pourraient être limitantes ou, vous voyez, des schémas qui pourraient vous limiter dans ce que vous voulez faire. Là, on vous dit d'y aller, hein, on vous dit de foncer, vous êtes dans des très belles énergies, même s'il y a un retour de quelques mauvaises pensées, qu'est-ce que je veux réellement? Si je m'écoute au plus profond de moi, je sais que je veux saisir les opportunités, aller de l'avant, rester aligné et droit, d'accord? Rester serein, me protéger dans ma bulle, loin des pensées et des schémas négatifs du passé, en me protégeant du futur. Et je me libère, je me sépare des énergies qui sont toxiques pour moi. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là pour demain. Avec le Witchy, le Normand, on y va à la coupe. J'ai la carte du renard et la carte du trèfle. J'ai l'impression que, concrètement, la carte du renard, c'est la rue, c'est l'intelligence, c'est l'indépendance. Et le trèfle, bah, encore une fois, c'est la chance. Vous avez demain l'opportunité, le bonheur, la chance de pouvoir vous émanciper de vos pensées négatives, des pensées négatives des autres. On a ici l'idée d'être rusé, intelligent, indépendant face à des gens ou des schémas, des situations ou des pensées limitantes. On ne se laisse pas berner, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Et j'ai l'impression qu'on est à l'écoute de ses émotions. Encore une fois, ce côté qu'on avait tout à l'heure, la féminité, je vous parlais de ça, des émotions que l'on va libérer, d'accord? Ouais, pour plus d'ancrage, même si ça a été difficile et un petit peu brumeux, on sait qu'il y a un ancrage qui vient là derrière, hein. On sait qu'il y a une stabilité, quelque chose qui est une opportunité qui est pour le long terme, en tout cas. Ok, allez, on y va. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe? La tour, prendre de la hauteur. Une certaine hauteur, des nouvelles, ok, avec la carte de la lettre et la clé. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'encre. Ici, on a un très beau tirage, hein. On est en train de nous dire qu'on a la possibilité de s'ancrer, d'accord, tout simplement. On a la possibilité de voir les choses sous un autre angle, en prenant la carte de la tour, qui peut nous parler de plein de choses. La carte de la tour, ça peut parler d'institutions, ça peut parler éventuellement d'avoir un courrier. Il y a une institution, alors ça peut être un courrier important que vous attendez. Alors, peut-être tout à l'heure, on avait aussi ici la carte du jugement, d'accord? Vous attendiez peut-être, pour vous sentir bien, de terminer une affaire, de clôturer une affaire juridique, d'accord? Et peut-être que vous attendez justement des nouvelles de ça. Et demain, on voit, il y a des solutions qui sont trouvées. La carte numéro 33, c'est la carte de la clé, c'est les solutions, c'est la révélation. J'ai l'impression que demain, il y a un courrier qui vient et qui fait qu'il y a une révélation, il y a des solutions qui sont trouvées. Alors, peut-être que c'est l'issue d'un procès, peut-être que c'est un accord, peut-être que ça peut concerner une juridiction, enfin, un bâtiment administratif. Mais ça peut être aussi une nouvelle façon de penser, même si la lettre, c'est un document écrit ou un message, quelque chose d'actualité. C'est peut-être vous qui mettez... comme une remise à jour. Alors, ça peut être un peu bizarre ce que je vous dis, mais ça peut être une remise à jour dans le cerveau parce qu'on aura pris de la hauteur. On aura vu les choses sous un autre angle pour trouver des solutions et pouvoir enfin être ancré, posé, malgré les problèmes qu'il y a eu, d'accord? On accepte ici les cadeaux et l'espoir que la vie met devant nous, d'accord? On est vraiment dans ça. Alors, moi, pour moi, demain, c'est un très, très bon tirage. Je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières. Je suis en train de chercher pour l'amour après, voilà. J'avais pas pris graine d'amour. J'ai la sensation que on est en train de vous dire que, alors pour certains, c'est clairement des nouvelles que vous attendiez depuis un moment, des déblocages financiers, un accord avec la banque, des problèmes juridiques qui ou en tout cas, il y a des nouvelles, des solutions qui vous sont apportées, peut-être des dossiers chez une assistante sociale, des documents pour une maison, la location d'un appartement, un contrat de travail
qui est signé pour du long terme. Ça peut être un CDI, la signature d'un CDI, une solution. Ça peut être vraiment plein de choses comme ça. Mais on se laisse porter, hein, on se laisse porter par cette note de musique, là, cette clé de sol qui nous apporte vraiment des très belles choses. Honnêtement, je pense que demain est une très belle journée pour nous, les amis, tout simplement. Alors, on va aller voir du côté sentimental. Pardonnez-moi, je reçois des messages en même temps. Ah là là, hop, je regarderai après. Allez, on y va, on va aller voir avec Petite Graine d'Amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais en tout cas, demain, vous avez l'opportunité de saisir cette chance. Vous avez l'opportunité de savoir vers quoi vous allez et de choisir quel est votre désir. Qu'est-ce que je veux? Je veux sortir de ça ou je ne veux pas? Mais c'est à vous, c'est un choix à faire. Est-ce que je me protège? Est-ce que je me mets dans cette bulle? En tout cas, c'est de savoir quels sont vos désirs. Allez, c'est parti. On y va avec ma petite graine d'amour. Au niveau sentimental et relationnel, la nouvelle aventure, la nouveauté, je vous ai dit, c'est le chiffre 1. On commence quelque chose, un nouveau départ, un voyage. Waouh, le coup de foudre! Clairement, pour les célibataires ici, ça nous parle d'une belle rencontre, de quelque chose qui débute, de quelque chose qui démarre. Pour les amoureux, pour ceux qui sont déjà en couple, on nous parle d'inattendu, d'une proposition, d'un voyage, peut-être en amoureux, peut-être d'un nouveau départ, tout simplement, avec plus de panache, plus de peps, d'accord? Peut-être que vous savez ce que vous voulez réellement maintenant et que vous allez saisir l'opportunité de plus vous laisser envahir par les jalouses, les jaloux, de plus vous laisser envahir par les mauvaises pensées. Vous allez vous séparer de vos angoisses et de votre peur pour pouvoir évoluer et avancer. Waouh, demain ça présage des bons signes, hein? Allez, on y va avec Graines d'amour. Je vous rappelle qu'il est disponible sur mon site internet. C'est mon best-seller, le petit Graines d'amour. Il se vend très très bien. Vous le kiffez. N'hésitez pas, il y en a, il est dispo. Vous pouvez le commander sur mon site internet. Vous avez les infos sous la barre d'infos. Allez, on y va, c'est parti. Les amitiés, la loyauté, la sincérité, la consultante, ok. La santé qui ressort, hein, on évacue le stress. On sent que pour une femme, alors très certainement, ou en tout cas au niveau des énergies féminines, le stress était peut-être un petit peu présent, mais ça on le lâche. J'ai l'impression qu'on le laisse de côté, hein. Vraiment, encore les échanges, la lettre, la nouvelle, hein, on est dans ça. Les secrets, cachotterie, la solitude, ok. L'isolement, ok, ben, ça peut représenter la tour aussi, l'isolement. Je ne vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que la tour, ça peut être aussi le fait de prendre du recul. Mais un peu comme la carte de la tranquillité. Il y a vraiment une idée de prendre du recul, peut-être demain, pour se sentir bien avec soi-même, pour savoir un petit peu retrouver son équilibre. Hein. On peut être dans ça. Allez, on y va. Et ben, le lâcher-prise est au cœur de votre tirage sentimental pour les énergies de demain. J'ai l'impression que l'on a besoin de prendre du temps pour soi au niveau sentimental. Je commence par nos amis célibataires, où on me parle de cachotterie, mystère, de confidentiel. J'ai l'impression qu'on ne veut pas trop échanger sur sa vie, on veut rester assez secret, notamment peut-être vis-à-vis d'une femme, ou si vous êtes une femme par rapport à vous-même. On a besoin un petit peu de s'isoler pour évacuer le stress, lâcher prise, se détendre. On a peut-être besoin tout simplement de moments à soi, parce qu'on se sent un petit peu en déséquilibre. Encore une fois, cette jalousie, ce mauvais sort, cette méchanceté qui nous entoure, ou peut-être tout simplement une dépendance, une obsession malsaine qui est un petit peu trop présente dans votre vie, elle va avoir besoin tout simplement de vous lâcher la grappe. Donc là, on est vraiment en train d'évacuer le stress en prenant du recul là pour les célibataires. Il se peut qu'il y ait effectivement une belle rencontre, une nouvelle rencontre, mais qu'on veuille tenir ça secret, loin des jalousies, loin des gens qui nous ferait perdre notre équilibre, d'accord? Peut-être qu'il y a des échanges ou des choses comme ça. Peut-être que c'est lié à quelqu'un de votre entourage, mais en tout cas, vous restez fidèle à vous-même et on sent que vous avez envie de vivre ça dans le plus grand secret pour pas vous planter. Vous êtes assez dépendant, peut-être au niveau affectif, et vous n'avez pas envie de l'être de nouveau, ce qui provoque cette envie de vous caché quelque part et de ne pas le révéler à toute la planète. En tout cas, on vous dit de lâcher prise et de laisser faire les choses. Pour les couples ici, on aura peut-être envie ou le besoin de
de prendre de la distance avec son conjoint ou son partenaire. On n'a pas franchement envie de... On peut échanger, mais ce n'est pas forcément des échanges constructifs. C'est des échanges qui manqueront peut-être un petit peu d'objectivité, j'aurais tendance à vous dire. Peut-être aussi qu'il y a une femme, alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre partenaire, peut-être que éventuellement c'est une femme de votre entourage. On sent que c'est quelqu'un de loyal, de sincère autour de vous qui essaye un petit peu de vous aider à soigner une certaine instabilité dans votre couple. Si tel est le cas, je vous rappelle que ce sont des énergies générales et qu'elles ne vont pas plaire ou pas parler à tout le monde, hein, forcément. Souvent, ma consultation me dit « oui, mais c'est pas ce que je voulais entendre ». Mais oui, mais on ne peut pas vous dire ce que vous voulez entendre. On doit vous dire ce qui va se passer, mais pas seulement ce que vous voulez entendre. Voilà, c'est pour ça que je vous dis « ne peut pas plaire à tout le monde ». Des fois, on n'est pas prêt à entendre, hein, tout simplement, les choses. Donc là, pour les couples, j'ai l'impression que pour évacuer le stress et l'angoisse, il y a besoin un petit peu de couper le cordon, peut-être un petit peu de s'éloigner, en tout cas de passer une journée un petit peu loin de l'un de l'autre, ou peut-être de prendre une certaine hauteur, de lâcher prise, de sentir un petit peu plus zen, pour savoir quels sont nos désirs, tout simplement. Pour aller saisir les opportunités, savoir ce que l'on veut réellement, comment se projeter, d'accord? Comment aller de l'avant. J'ai envie d'aller rajouter une carte ici, justement, sur cette jalousie, ouais. C'est possible que ce soit quelqu'un qui vous attire ou quelqu'un qui soit attiré, ouais, vous voyez la séductrice, quelqu'un qui soit attiré par votre partenaire qui vienne un petit peu mettre la zizanie, d'accord, en cachette, il y a quelqu'un qui vous écrit, hein, mais c'est pas très, très bien parce que ça crée de l'instabilité, hein, pourquoi tu m'as pas dit que cette personne t'a écrit, pourquoi tu m'as pas raconté, je me sens un petit peu offensée. Il y a quelque chose comme ça qu'on met pas en avant, qu'on cache un petit peu et c'est un petit peu malsain, d'accord? Allez, on y va avec les réponses angéliques. Je vais vous demander maintenant de vous poser une petite question, les amis. Posez-vous une question pour la journée de demain. On va tenter d'y répondre avec nos petits anges en faisant une coupe. Allez, c'est parti. La journée de demain, la réponse à votre question, les amis. On y va. Je vais prendre la première et la dernière aujourd'hui. Allez, la réponse à votre question, êtes-vous prêts les amis? On vous dit bah, que vous êtes prêts en l'occurrence. Écoutez votre intuition, vous êtes prêts, c'est-à-dire que pour moi c'est un oui, vous savez très bien au fond de vous quelle est la réponse, d'accord? Je vais en prendre une dernière pour vraiment aller affiner. On vous dit que si éventuellement votre intuition vous fait défaut, de ne pas hésiter à demander l'aide des autres pour avoir confirmation sur vos préoccupations. Pour moi, c'est un oui. Vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à passer ce cap, vous êtes prêt à vous lancer, tout simplement. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir quel est votre désir. Est-ce que je vais aller vers cette opportunité, cette chance qui m'est donnée? Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, vous n'oubliez pas les petits pouces en l'air et de me dire en commentaire quels sont vos ressentis par rapport à ce tirage. Je vous dis à bientôt, bye bye !